Chers amis, je vous invite à une fête. Une fête qui a un nom un peu étrange. Elle s'appelle la fête de la diaconie. Chers amis, il y a tant d'entre nous qui sont ainsi dans le service de la diaconie de l'Église. Eh bien, cette fête va nous réunir tous, d'abord en diocèse. Et puis, nous allons d'abord partager nos idées, partager les joies que nous avons de vivre cette mission-là. Et puis, bien sûr, tout cela, nous allons le faire avec, non pas pour, mais avec nos frères et sœurs en situation de fragilité ou de précarité. Nous allons prier avec eux, nous allons nous aider entre nous, nous allons découvrir entre nous la joie d'être frères et sœurs les uns des autres. Vivre la fraternité en paroisse, en sous-titre Festival de la Diaconie. Disciples en fraternité, en sous-titre Festival de la Diaconie. Tous acteurs de fraternité, en sous-titre Festival de la Diaconie. D'accord ? Souvent des façons de gestuer la parole de Dieu. La communauté du Sapel est extrêmement douée là-dessus. Gestuer tout un texte d'évangile, c'est très beau. L'Eucharistie et le lavement des pieds. C'est quand même bien, un lien fondamental de la foi chrétienne. Fondamental. Et lequel se vit, parce qu'il y a une fête de famille, lequel se vit dans les familles. Pour renouer, relier, défaire les nœuds de nos pauvretés. Trois enfants dans un espace de la paroisse parce qu'elle était dans la rue avec les trois. Et on a travaillé ensemble avec, avec les services des migrants. Et lui, maintenant, il va mettre ça dans l'édito. Et en fait, ça va nous donner la possibilité de parler de plus en plus de la diaconie ou du service aux autres, des macadam café. Je souhaite, chers amis, qu'il y ait une délégation d'une dizaine de personnes de chaque paroisse nouvelle de notre diocèse de Bordeaux pour le 1er juin et puis le 2 juin. Chacun repartira dans sa paroisse pour annoncer ce que nous avons vécu dans cette fête de la diaconie et continuer cette belle mission du service de l'amour des frères et sœurs, du service de l'amour du prochain. Nous nous rappellerons alors le geste, le beau geste de Jésus. Lors du dernier repas, il se mit à genoux devant ses disciples et il leur lava les pieds. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres, pour notre joie et pour que se répandent l'amour et la fraternité entre nous. Avec joie, je vous appelle à cette fête de la diaconie.